En fait, on a. Alors, c'est toujours pareil, ça dépend beaucoup des personnes, mais en général, les consommateurs n'ont pas vraiment d'informations sur les coûts. Donc, ils vont plutôt raisonner en termes de valeur ou de partage de la valeur. Donc, par exemple, dans le commerce équitable, on a vraiment, de la part des consommateurs de produits du commerce équitable, on a cette volonté de contribuer à un meilleur partage de la valeur ajoutée dans la chaîne et donc une meilleure rétribution des producteurs. Mais c'est plutôt, voilà, de mon point de vue, qu'est-ce que je peux apporter en plus aux producteurs? Mais ce n'est pas fonction, en fait, du coût, du surcoût que ça représente pour le producteur de passer en bio ou de passer, par exemple, ou d'être labellisé en commerce équitable. Ils n'ont pas ces informations, en fait, sur le coût. Ils raisonnent plutôt sur des questions de valeur.